Des deux côtés sur environ 100 mètres. Voilà, il y a les pancartes. D'un côté, il y a un côté droit, il y a du ruisseau, il y a la pancarte, et de l'autre côté, vous allez voir, il y a une petite rigole qui va vers un petit lac, on s'arrête là. Voilà. Le tirage au sort, on va vous imposer les secteurs. Parce que pour que ceux qui partent de l'autre côté aient le temps d'arriver là-bas au moment de pêcher. C'est le premier tiré par tombé et après voilà. On reste assez haut. Les 5 premiers au B, les 4 autres là. Voilà. Vous avez des parkings, vous avez les parkings de la maison du lac là, vous avez les parkings du gros drone là. Si vous tapez un silure, il y a quelques silures qui doivent pas être là. Vous m'appelez et avec la PPMA on s'en charge, on va les remettre à la bourre. Parce qu'ils sont arrivés par des crues, ils ne devraient pas être là. Il y en a quelques-uns, il y a eu un 1m30 de sortie. Il y a un 1m30 qui a été sorti, je crois, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc il y en a. On précise du bord d'eau vif, Oui, oui, qui a été remis, oui. Impossible du bord d'eau vif. Vous m'appelez, moi je préviens la PPMA et après ils sont. Fachini. Voilà. On a un dégard de la PPMA depuis là en permanence, apparemment. Tu restes là aujourd'hui? Oui, ouais. Je vais me recenter la volée. Oui, tu vas aller faire. Donc la PPMA est représentée par Stéphane, Didier et je ne me rappelle plus. Jean-René. Didier Renaud, le président, n'est pas là ce matin, il s'en excuse parce qu'il travaille, il sera là cet après-midi pour la remise des lots. Et puis voilà, après les conditions habituelles, vous les connaissez. Hein. Les photos, s'il vous plaît. Je veux plus de photos avec le maître, parce que ça fait pas joli après sur Facebook. On veut des belles photos. On veut des belles photos comme d'habitude. Comme vous savez les faire. Pas la peine. On n'est pas trop loin. Hein. Non mais on peut prendre la photo et choisir la taille aussi. Oui voilà. Impeccable. Ouais. Non mais bon, après ça je vous fais confiance. Oui. Ça s'est toujours bien passé. Ça se passera toujours aussi bien. Je vous rappelle juste que le Big Fish est sur le bass. Et que le Big Fish est sur le bass. Hein. Le Big Fish, la PPMA offre un permis départemental. Voilà. Mais que sur le bass. Parce que forcément, si vous connaissez les tailles des brochets ici, s'il y a un qui fait un brochet de 70, voilà. Et la nouste est quand même basée sur le bass. Ouais, voilà. Allez, vas-y, fais le tirage au sort. We'll be right back.
entre le rotongue de Interpol Espagne. Il fait 3m20, il fait 3m20. Pourquoi il fait 32? Fred, tu vois pourquoi il saigne? Je veux pas envoyer la photo. Ouais, non, mais. Il a plus de batterie, il va te dire. Dans l'œil, il sort plus de l'œil. Ils vont passer par le coup. Oh, enculé, quoi. Double. Benoît, t'en veux une? En plus, je comprends pas au début. Putain, j'en rate un dessus. Putain, j'en fais deux maillets. Je crois qu'il y a une barre de. C'est qu'elle peut bien. Je te mets dedans. Là, on manque que j'avais enlevé 2 mètres. Je clipse. Ouais! Alors, ce Noose Fishing Tour. Franchement, énorme. Énorme. Ouais! Fred! Gamma, j'ai été représenté. Là, ça vaut le coup d'œil, là. Là, ça vaut le coup d'œil, là. Eh, il y en a d'autres quand t'es à l'apéro. Hein. Que je t'ai dit que la photo, elle est pas cadrée. Ah, le mec est bon, ouais. Ah, le mec est bon, ouais. Ah, mais c'est le bass de la semaine dernière, ça. Non, c'est celui du congèle. Il a plus la tête, donc il a manqué. Alex, bon, Damien, tu peux nous expliquer ce que c'est le Noose Fishing Tour? Le fishing tour, c'est des amis qui pêchent ensemble. Voilà, c'est des amis qui pêchent ensemble. Et qui boivent ensemble. Et qui boivent ensemble surtout. T'as une feuille ou je l'ai perdue s'il te plaît? Merci. Oh putain, mais t'es con toi. Ah, oui, franchement. Hey. Non. J'espère que vous avez retrouvé cette année l'esprit à nous. Oui, ici. Je l'ai repris. J'ai essayé de retrouver ce que Patrick a fourni. Ici, toujours pareil. Il a fourni pendant 5 ans, 6 ans. L'année dernière a été très dure, on n'a pas pu le refaire. Cette année, on l'a refait. La Noose, je pense, a gardé ses valeurs. Convivialité. Partage. Poisson. Pas trop non plus, quoi. Et surtout, échange. Super bonne ambiance sur toutes les manches. Ah oui, grave. Voilà. J'adhère. Cette année, on a fait la finale sur Christus pour la première fois sur Saint-Paul. Merci à Didier d'avoir accepté. Et surtout, merci à la municipalité. Merci Didier, merci la municipalité. C'est moi. C'est pas Didier, c'est la PMA de Saint-Paul. Merci, merci. Merci, merci. On a fait un petit peu, s'il vous plaît. Je suis rien à l'endroit. Merci de Didier, on m'a vu. Oh, je vais y voir. C'est quand même un plaisir aussi d'avoir une manche de pêche au leurre, parce que dans la partie pêche sportive et compétition, c'est exactement ce qui nous manquait à Saint-Paul. Donc je suis content que Damien nous ait proposé pour la finale. Et après, c'est vrai que c'était pas simple par rapport à la mairie. Mais maintenant, voilà, je pense que dès l'instant qu'on a mis le pied à l'étrier, après, il n'y a pas de raison qu'on ne prolonge pas quelque chose qui peut être intéressant. Voilà. Alors, avant de continuer, je veux remercier tous les sponsors. Un en particulier, Lèche, qui nous a fourni, il nous a fourni sur tous les, toutes les manches. Après, on a Trappeur qui nous a fait découvrir des hameçons très spécial, oui, qui apparemment fonctionne très bien. Ou pas. Après, nous avions en local, nous avons Chasse-Pêche 40 qui a été très bien. Nous a fourni beaucoup de choses, notamment le flotte. Nous avons le garage qui nous a fourni tous les trophées et quelques lots aussi. Nous avons Fish Collection qui nous a offert le lot de la finale, plus des leurres sur toutes les manches. Et ça, je les remercie aussi, notamment David Mery, qui a été là très sympa pour nous. Et je pense que je vais oublier personne. Si Europêche à Souston. Peut-être que les locaux connaissent, Europêche, tout le monde connaît. Donc à Souston, c'est Ricorama. Ricorama a gardé le rayon Europêche quand ils ont racheté le magasin. Et je peux vous dire que Europêche est très connu dans la région. Et des prix très intéressants. Voilà. Nous allons commencer le classement. Pas beaucoup de poissons. Là, il y a des fils. Hein. Beaucoup de poissons non maillés. Ouais. Du brochet, de la perche, des basses. Beaucoup non maillés. Mais après, du maillé. Du rotogue aussi. Voilà. Mais ce maillé. Voilà. Il y a eu un maître qui a été loupé par Alexis. 26. Merci Alexis de louper.
70 plus qui a été loupé par JB. Merci les JB. Voilà. Ça c'est fait. Et après, il y a eu du poisson de fée. Merci JB. Ouais, félicite-le. Donc, ouais. Moi, je peux, tu peux. Pied, moi, mon gars. 7 personnes ont fait du poisson sur 19. C'est pas beaucoup. Mais. C'est pas mal. Christus, normalement, doit réserver mieux. Donc j'espère que l'année prochaine, si on revient ici, ça sera beaucoup mieux. Dans un nominage, il n'y a aucun poisson qui est en dessous de la maille. Hein. Et surtout, je remercie la PPM. C'est quoi cette poisson? C'est bonne chose. Sachant qu'il y avait faut le mettre au courant qu'on arrive aussi. Voilà. Et surtout que je remercie la PPMA parce que sachant qu'il y avait la finale de la Nouste, ils ont empoisonné plus en canassier cette année. Parfait. Voilà. Et maillé, pas maillé à Nouste, maillé fédération. Voilà. Donc, les poissons étaient là. Par contre, merci beaucoup. Ouais. Parce qu'il y a très peu d'APPMA qui font ça. Ah, franchement. Et merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. Donc, 7 personnes compris poissons. En 7e position, un loco. Un local. Voilà. Et il va vous mettre la main. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas dispo. Un local. Émeric Palermo. Alex. Avec, deux, chine, avec une perche. Il va te le sortir. Une perche de moins de 30. Émeric. Sans déconner, quoi. Non, mais. Émeric, t'as sucé qui, toi? Émeric. Bouh. 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 Bravo. En 6e position. Encore un local, Alexis Borde, ouais. Avec une perche à 22 cm. On peut voir la glacière? Non mais la glacière il l'a, pour mettre les bières. Non, non mais l'autre, la bleue. Sortez la bourriche les gars, merde. Ah ouais, j'avoue. Oh, en 5e position, même s'il nous a fait chier toute la journée avec ses poissons qu'il fallait pas, Alex, Loïc Borde, Loïc. Oh putain, j'ai lu la grosse! Un 30 cm tout pile. Et un cube à 10 euros. Et un rotang. Non mais t'as vu cette photo, mais c'est. Oh mais arnaque, arnaque, arnaque là, t'as vu la photo, y'a arnaque là. Bon, 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 bon. La photo, elle sera sur le. Ça dépend par combien de grammes on compte sur la photo. Mais après, ils sont ex-éco, hein, tous les deux. Parce qu'en 4e position, il y a Verdeil William. Oui, c'est pareil. Avec un bac de 30. Je suis en 4e parce que. Ouais, oui. Ouais, 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 ouais. Oui. Ah, oui, oui. Il fait la bise au 5e, il fait pas la bise à ses vrais potes, sans déconner. Quoi. Ouais, ça va, ouais. Et tu rentres comment, toi, au fait? Hein? Comment tu rentres, toi? Comment tu rentres, au fait? Tiens, tu me ramènes, podium. Il a été repêché, sur la 3e manche. Attasse-toi. Il a été complètement... C'était terrible, cette manche. C'était terrible, terrible. Hardcore. Ah ouais. Avec un basse et deux perches. Wesh Dylan, wesh. On partage les cadeaux, wesh. T'as piqué ton lot, toi, t'as pas compris. Ah, logique. Non, mais elle est cassée. Ta gueule. Troisième marche! Oh. Mais attends, après, pour la photo, après. Il est là sur toutes les manches, il est là sur toutes les anouses du reste. Il fait un peu de kilomètres, il est parti juste à 4h30 ce matin pour arriver ici. Il vient de la Charente. Vendu. J'appelle pour. Vendu! Il a fait un brochet, c'est le seul brochet maillé de la manche, à 61. Il a fait, après, je crois, c'est une perche. Ouais, 11. Des petites perches. Après, perche. Préciser, c'est quand même. Et donc, il est deuxième avec 625 points. Florian Tourial. Tournade, rose. On va ouvrir un magasin.
Alors je vais appeler maintenant le Big Fish. Le Big Fish sur la Nouste. La Nouste est réservée essentiellement aux basses. Donc le Big Fish a été fait sur le basse. Le plus gros basse de la finale est à 39 cm. Pour ça, la PPMA de Saint-Paul-et-Dax nous a fait le plaisir d'offrir le permis 2019 pour le gagnant du Big Fish. J'appelle Alexis Amazrouf avec son basse de 39 Amazrouf. cm. Hey, ouais. Ouais. C'est bien ça. Donc le trophée je le récupère. Bon, il va pas ici, il va rester là. Reste là. Il a réussi à sortir deux basses, une grosse perche, enfin une grosse perche à 30, deux basses, et il finit premier, Alexis. Toujours le même. Avec 190 points. Merci, champion. Et je pense qu'il a l'habitude des podiums maintenant. Champion, champion. Voilà, maintenant. Ah, attends, tu vas l'avoir plein les mains. Attends. T'as ça. Et t'as l'autre derrière. Donne-moi la canne, va. Et donc, le vainqueur officiel de la Nouste 2018, Alexis. Il faut le coup de main là. Bouge ton cul. Je mets bien les trois sur le podium. Et après on va faire une autre photo avec tout le monde. Et vous savez ce que j'ai besoin? Deux. Ça porte 100 kilos ou pas? Oui. T'inquiète. Et c'est pas tout les marocains ça. On est tous un par un.